Bonsoir tout le monde. Alors, je vais vous introduire les poèmes de Noël de Sertène, ceux qu'elle a composés lorsqu'elle était sous l'influence, on va dire, d'une personne manipulatrice et qui a eu pour effet de l'inspirer fortement. Et elle a créé à ce moment-là trois cahiers lyriques de poésie. Que je vais essayer de vous lire avec le plus de conviction possible, sachant que je ne suis pas très douée pour ce type d'exercice. Alors, pour ma part, je dois dire que j'ai rebondi aujourd'hui, enfin, au sens figuré, bien évidemment, en écoutant un extrait d'un opéra de Salieri qui a été créé pour l'ouverture de la Scala de Milan en 1775, si je ne m'abuse, hein, et qui s'appelle « Europe reconnue ». Alors, « Europe reconnue », rien que le fait d'en parler me touche beaucoup, puisque c'est un opéra vraiment très remarquable. Vous connaissez sans doute Salieri, et c'est Danaïde, Tarare, beaucoup d'autres œuvres que je n'ai pas encore écoutées. Mais dans « Europe reconnue », il y a des arias particulièrement remarquables, d'une très grande complexité, d'une très grande beauté. Et l'une de ces arias, chantée notamment par Diana Damrau, qui a été en fait son cheval de bataille, et je ne sais pas si quelqu'un peut l'interpréter mieux ce rôle, le rôle d'Europe de cet opéra de Salieri, c'est la grande aria qui passe pour beaucoup plus difficile que les arias de la Reine de la Nuit de la Flûte Enchantée. D'ailleurs, le rôle est plus haut, puisqu'il monte jusqu'au contre-fa. Là, je parle, pas pour les amateurs éclairés, mais pour le grand public, le contre-fa, on ne dit pas ça normalement, hein. Contre-fa dièse d'ailleurs, puisque le rôle de la Reine de la Nuit, il y a quatre contre-fa. Hein. Mais là, c'est encore plus aigu et plus difficile. D'ailleurs, par ailleurs, hein, d'après ce que nous raconte notamment Diana Damrau, qui adore ce rôle, il y a deux versions, une version scénique que je vous montrerai à l'issue de cette vidéo et une version également en studio où vraiment on voit par l'attitude de Diana Damrau que c'est un très grand opéra, rien que, enfin, que c'est un très grand air et qu'elle est vraiment ravie de chanter ça, absolument enchantée de surchanter quelque chose d'aussi époustouflant. Tout simplement, il y a des gens qui ont le génie de la musique, j'aimerais la voir en littérature, malheureusement ce n'est pas le cas, mais bon, je crois que j'ai digéré toutes ces déconvenues grâce à cette présence de Salieri, d'Antonio Salieri. D'ailleurs, j'avais pris ce pseudo sur un site, je m'en souviens, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et voilà, donc c'est un air qui m'a inspiré beaucoup de choses, hein. Pas autant que nos amis pervers, mais presque. Voilà, donc voilà la présentation que je fais. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que finalement, je suis un peu comme ces personnages qui passent leur temps à se décourager et qui le lendemain ont oublié leurs problèmes et repartent finalement tout aussi en forme. Voilà. Bon, je vais interrompre cette première vidéo et ensuite je commencerai à vous lire les poèmes de Noël de Sertène en essayant de vraiment ne pas me contenter de mettre en valeur les mots, puisque j'avais adopté une attitude bressonienne. J'avais lu les poèmes de Noël de Sertène en appliquant la méthode de Robert Bresson, vous savez, le fameux cinéaste, Les anges du péché, Les Dames du Bois de Boulogne, Journal d'un curé de campagne, Un condamné à mort s'est échappé, Pickpocket, etc. Des chefs-d'œuvre qui sont parfois où les acteurs prononcent le texte d'une manière volontairement monocorde. Pourquoi? Pour révéler la poésie du texte et révéler l'acteur également. Hein, voilà. Et certains ont très mal vécu, comme Maria Cazares dans Les Dames du Bois de Boulogne, et pourtant, jusqu'à Journal d'un curé de campagne, les rôles étaient, selon Robert Bresson, trop joués à son goût. Voilà, notamment le merveilleux Ange du péché, que vous avez peut-être vu, avec Sylvie Renéfort, qui a épousé d'ailleurs à un moment donné Christian Jacques, hein, comme Martine Carole, et
comment elle s'appelle déjà, Jenny Holt, voilà, chercher, et Sylvia Monfort, dans ce film très très remarquable. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la lecture d'un des premiers poèmes de Noël de Sertaines. Si jamais la lecture ne me convient pas, eh bien je ferai une autre vidéo sur ce même poème jusqu'à obtenir quelque chose de satisfaisant. Je vous remercie, je vous dis à tout de suite.